Je suis juif. J'aime bien faire cet intro. Non, je déconne, hein. Ça va, je vous ai pas fait peur. Si, un peu, pardon. Tu m'en remets une lumière un peu plus chaude, Martin, merci. Non, je l'ai un peu raté, là. Je voulais faire un truc un peu froid, un peu... Bon, j'ai un peu raté, c'est pas grave. Ça va? Excusez-moi, hein. C'était pour faire un effet scénique, un peu... Conférence gesticulée... mes identités nationales. Vous savez un peu à quoi vous attendre? Déjà, conférence gesticulée, il y a des gens à qui ça parle? Ouais, on est un peu dans le lieu. Martin, tu mets un tout petit peu plus de lumière dans la salle, s'il te plaît? Ouais, super. Ça va, la lumière? Ouais. Conférence gesticulée, il y a quelques conférenciers dans la salle, hein, gesticulant. On n'a pas encore bien théorisé qu'est-ce que c'est. Mais disons qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est un mélange entre une conférence, c'est-à-dire des savoirs théoriques, universitaires, scientifiques, et puis du récit d'expérience, du récit de ma vie en l'occurrence, je vais vous raconter ma vie. Et à travers ça, on va essayer de réfléchir aux identités, au racisme, à notre place là-dedans. Voilà, ça va durer à peu près une heure et demie. Peut-être un tout petit peu plus si je parle pas trop vite pour ma collègue Marion et Cathy qui est là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais essayer de ne pas faire dans le consensuel. Je vais essayer de faire en sorte qu'on ne fasse pas juste un truc de l'entre-soi militant ou l'entre-soi antiraciste. On va voir une conférence gesticulée sur le racisme, nous-mêmes on n'est pas raciste, on ressort de là en se disant c'était vachement bien, je suis toujours pas raciste après, tout ça. Mais plutôt d'essayer d'aller chercher dans nos contradictions, dans les choses qui peuvent générer du doute en nous. Voilà, je pense pas que vous sortirez de là plus convaincu, mais peut-être plus en doute qu'avant. En tout cas, c'est ce que je recherche. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à m'interrompre, je sais que c'est pas facile quand on est dans le public, il y a un conférencier, il y a la lumière et tout. Mais bon, cela dit, si vous avez envie, n'hésitez pas, et puis surtout, il y aura un espace de débat après pour confronter. Je dis pas que tout ce que je dis est vrai, en tout cas, tout ce que je dis est sincère, et j'ai pas cherché à être consensuel. Je vais boire pas mal parce que j'ai un problème de sécrétion salivaire quand je suis sur scène, voilà. Donc, désolé, des gens ils me disent à la fin, mais comment t'as fait pour pas aller aux toilettes pendant la conférence? C'est tout. Je commence. Et je commence en disant que je suis juif. Parce que par contre, c'est vrai, je suis juif. Alors, bon, pas pratiquant. Plutôt d'obédience marxiste. Je sais pas s'il y a des pratiquants dans la salle. Non, mais je suis juif parce que ma mère est juive. Mais pas pratiquante. En fait, c'est une femme de gauche féministe, plutôt à regarder la religion d'un mauvais œil, mais qui est juive parce que sa mère était juive. Bon, pas pratiquante. Elle fait partie de ces femmes qui sont venues en France après-guerre, elle venait du Maroc. Et en venant en France, elle voulait s'intégrer, elle voulait être française. Et pour elle, être française, ça voulait dire mettre de côté une partie de sa culture, voilà, elle voulait être française. Mais elle était juive parce que sa mère... Enfin, je suis juif. Je ne sais pas s'il y a des juifs dans la salle. Alors là, c'est le moment où les juifs, ils disent « Est-ce que je le dis pas. Qu'est-ce que je fais? Il me fait chier avec ces questions à la con. » Non, moi, il y a un truc. Bon, je suis juif parce que quand j'étais gamin, je suis allé à la bar mitzvah de mon cousin, j'ai fêté Shabbat avec ma famille assez souvent. Ma mère ne nous a pas du tout élevés là-dedans, mais mes oncles et tantes. Donc voilà, ça fait partie d'une culture familiale. Il y a un truc que j'aime bien chez les juifs, c'est le rapport qu'ils ont à Dieu et cette façon qu'ils ont de négocier avec Dieu. Je vous explique un peu. Dans ma famille, c'est des hyper pratiquants, hein, limite intégristes à Paris, enfin en Israël et à Paris. Et donc ils veulent avoir une application très très stricte des préceptes religieux. Et notamment, vous savez sûrement que le Shabbat, là en ce moment, donc du vendredi soir au samedi soir, les juifs n'ont pas le droit de travailler, en particulier ils n'ont pas le droit de créer d'énergie et donc ils n'ont pas le droit d'allumer la lumière. Dans ma famille, ils veulent respecter strictement cette règle et donc ne pas allumer la lumière.
En même temps, c'est pas pratique à la maison de pas pouvoir allumer la lumière le vendredi soir. Donc, ils ont mis une minuterie dans l'appartement. Comme ça, si c'est pas moi qui allume la lumière, c'est la minuterie. C'est bon, c'est... Oh, super, merci. Check. Un autre exemple, c'est dans le quartier juif à Londres. Un autre truc qu'on n'a pas le droit de faire pendant le Shabbat, c'est de porter des choses lourdes. C'est une forme de travail. On n'a pas le droit de le faire, sauf quand on est à la maison. À la maison, on a le droit. Voilà. Et du coup, dans le quartier juif de Londres, qui est un grand quartier quand même, ils ont installé un petit cordon qu'ils mettent le vendredi soir, comme ça, et qui dit à Dieu, voilà, là, c'est la maison. C'est bon, on est... C'est bon, ça va, super. Voilà, je suis juif. Je suis surtout catholique, en fait. Non, catholique de culture, quoi. Enfin, je suis élevé dans une culture catholique, puis mon père est catholique. Alors, mon père, c'est un catholique qui ne croit pas en Dieu, mais pratiquant. Alors là, bon, c'est encore autre chose. Il va à l'église le dimanche, et voilà, ça fait partie de... Il se dit, il faut le faire, mais il ne croit pas en Dieu, il est marxiste lui aussi. Mais bon, ma grand-mère m'a amené à l'église, voilà, et puis je fête Noël, je ne travaille pas le dimanche... Pas toujours, en tout cas. Un sens aigu de la culpabilité. Je suis catholique, quoi. Non, je suis surtout un homme de gauche. Enfin, de gauche. C'est chiant quand on est de gauche, parce qu'il faut toujours préciser. Alors, pas socialiste. Je ne sais pas s'il y a des socialistes dans la salle. Plutôt d'extrême gauche, quoi. Extrême, en même temps, c'est chiant. Extrême... disons... anti-capitaliste. Ouais, mais anti, ouais, c'est toujours anti. Alter-mondialiste. Voilà. Oui, mais en même temps, marxiste. Enfin, quoique certains disent trotskiste. Alter-marxiste. Ouais, voilà, alter-marxiste. Je suis français. Je suis né en France. Puis j'y ai passé une bonne partie de ma vie. Je sais pas, quand j'étais gamin, moi je suis né dans les années 80. Et pour moi, président, ça rimait avec Mitterrand. J'avais l'impression que ça serait pour toujours, quoi. Mitterrand président, je connais les chansons de Brassens et de Renaud par cœur. Pas toutes, mais presque. Je sais pas, j'ai fait la fête en 98 quand on a gagné la Coupe du Monde. J'ai voté pour Chirac en 2002. Bah, je suis français, quoi. Mais je suis aussi italien, parce que mon père est italien. J'ai vécu 4 ans en Italie aussi, puis j'y vais souvent. Il y a un truc que j'aime bien chez les Italiens, c'est la façon de commander le café. Ah, ça c'est... Non, parce qu'en France, on commande des cafés, mais il n'y a pas de poésie dans la commande de café. On rentre dans un café comme ça, on dit ah, « bonjour, un café s'il vous plaît ». C'est fade, c'est nul. Non, en Italie, il y a de la poésie, il y a de la magie. En Italie, le café... On peut le vouloir, bon ça c'est vrai en France aussi, je l'avoue, on peut le vouloir serré ou allongé, on peut le vouloir dans un verre en verre ou dans une tasse en céramique, parce que ça n'a pas le même goût. On peut vouloir que le verre en verre soit chaud ou froid au moment où on verse le café dedans. On peut le vouloir avec sucre ou sans sucre, mais on peut vouloir que le sucre soit mis avant le café, ça change le goût du café. Ou on peut le vouloir avec la crémine, qui est cette crème qu'ils font à Naples avec le noir du café et du sucre, il touille et ça fait une espèce de mousse onctueuse. On peut le vouloir avec du lait, mais on peut vouloir que le lait soit chaud ou froid. Ce qui fait que maintenant même, il y a le lait de soja ou le lait de vache. Ce qui fait qu'il est assez fréquent de voir quelqu'un rentrer dans un café et dire « Buongiorno, vorrei un café stretto macchiato freddo in una tazza di vetro callo con la cremina, per favore. » Un café, s'il vous plaît. Je suis éducateur populaire. C'est mon métier, je... Qu'est-ce qui se passe? C'est alerte à la monde? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait pas partie du spectacle. Ça va s'arrêter? Oula. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut partir, Martin? C'est pas l'idée? Non, ça va. Pour l'instant, c'est pas l'alarme incendie. D'accord. Pour l'instant, on va pas cramer. Ça va être chiant quand même. Hein? On le fait en rythme? Ok. Ah. Éducateur populaire, je disais.
Ouais, avec un paquet de collègues, on se disait le monde va mal, quoi. On veut revendiquer une structure anticapitaliste, changer le monde, voilà, se battre contre les dominations. Du coup, on a fait une entreprise SARL. Et puis on est salarié de cette entreprise. Voilà. Bon, on a tous nos contradictions, hein. On fait comme on peut. Je suis fanfaron. C'est pas juste que je me la pète, hein, mais c'est aussi que je joue dans une fanfare. Je fais du trombone dans une fanfare rock, metal, punk. L'esprit de la fanfare, c'est un esprit de la fête, c'est un truc de fou. Bientôt, il y a le festival de Montpellier, début juin, je vous conseille d'y aller, c'est gratuit et absolument formidable. Je suis prof de maths. Je suis en disponibilité, mais je reprends le 1er septembre. Je ne sais pas s'il y a des matheux dans la salle. Ah, on est deux. Peut-être tu as vécu avec moi ce genre de grand moment de solitude qu'on a dans les soirées mondaines quand on essaye de passionner les gens pour la géométrie projective ou... Grand moment de solitude, voilà. C'est... J'ai trois identités qui sont assez confortables en société, je vous les conseille à l'occasion. Je suis un mec blanc hétérosexuel. Ça va, c'est confortable, hein, ça... Tranquille. Je suis fils de deux femmes homosexuelles. Alors ça a pas mal intéressé les journalistes, là, l'année dernière, il y a 2 ans. Les gens, ils parlaient de ça, alors ils venaient me voir, alors, je sais pas, question de journaliste. Est-ce que vous avez été influencé par la sexualité de votre mère? Je sais pas, vous, la sexualité de maman Enfin, j'ai plein d'identités, quoi. Enfin, j'imagine que c'est votre cas à tous. Ben, ce que je suis venu vous raconter, c'est qu'il y a un jour dans ma vie, un seul, où toutes ces identités ont disparu et j'en avais plus qu'une seule. C'était le 15 février 2004. Je me rappelle, ce jour, j'étais donc militant et bon, étudiant d'abord, et puis militant à Angers, dans une ville de l'Ouest. Militant contre la guerre, surtout. Un an avant, juste pile poil un an avant, il y avait eu cette manifestation contre la guerre en Irak, absolument monstre. Je ne sais pas combien de millions de personnes dans le monde qui avaient manifesté. Et donc, ça faisait un an qu'on se bougeait sur Angers avec des collectifs étudiants, des syndicats, des partis, le mouvement de la paix, des associations musulmanes, des associations de quartier. Et tous ensemble, dans ce mouvement-là, contre la guerre en Irak, en solidarité avec la Palestine aussi. Et puis arrive ce débat sur un projet de loi qui a été voté pile poil un mois plus tard, le 15 mars 2004, qui était donc le projet de loi contre les signes ostentatoires de religion dans les écoles publiques, qu'on a tous appelé la loi sur le voile à l'école. Et moi, à l'époque, sans trop savoir exactement pourquoi, mais je me disais que c'était pas sain de virer les jeunes filles des écoles. Je voulais aller à cette manifestation. J'étais à l'époque militant à la Ligue communiste révolutionnaire, l'ancêtre du NPA, enfin Olivier Besancenot, tout ça. Et mes camarades du parti m'avaient dit faut pas y aller à la manifestation, ils sont chelous les gens qui organisent, là, c'est les imams des quartiers, on les connaît pas et tout. Je décide d'y aller quand même. Et donc j'arrive à la manifestation le 15 février, place du ralliement. Alors, je sais pas s'il y a des angevins dans la salle. Non plus. C'est raté ce soir, hein, aujourd'hui. Bon, je pense qu'il faut... Des gens qui connaissent un peu Angers? Non, rien, bon, c'est pas grave. Je pense qu'il faut être angevin pour saisir l'effroi que ça a pu me faire. Ben, Angers, c'est une petite ville bourgeoise, blanche, chrétienne, enfin catho. Et alors j'arrive, place du ralliement, la place principale d'Angers, et la place est pleine d'Arabes. Mais pleine! Alors, bon, toutes sortes d'Arabes, hein, des jeunes, des vieux... Des hommes, des femmes voilées, des femmes non voilées. Mais alors, que des Arabes? Alors, il y a des Arabes à Angers, hein, je vous rassure. Mais on les met dans des quartiers périphériques, comme ça, un peu loin du centre-ville. Et puis, on donne des jolis noms aux quartiers pour qu'ils s'y sentent bien. Donc, Montplaisir, La Roseraie, Belle-Beille, voilà. Mais dans le centre-ville, non. Moi, j'étais avec un groupe de blancs, pour le coup, enfin, d'un comité qui s'appelait Comité de lutte altermondialiste. Et donc, on va dans la manifestation. Je rentre dans la manifestation et là, il y a Karima. Karima qui vient me voir. Et Karima qui porte le voile, que je connais parce qu'on a milité ensemble contre la guerre. Elle vient me voir, elle me dit « Pablo, tu veux pas me filer un coup de main parce que
J'essaye de distribuer des tracts, mais les gens ne le veulent pas. Bon, moi j'ai envie de me foutre de sa gueule. C'est la règle quand on veut distribuer un tract que les gens ne veulent pas. C'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas si vous avez déjà distribué des tracts, au moins vous en avez déjà reçu. Alors comment ça se passe? Vous êtes dans la rue comme ça, vous marchez, et puis vous voyez un mec là-bas qui a un paquet de tracts dans la main. Alors vous vous décalez vers la droite, comme ça. L'autre, hein, pas con, il vous a vu, il se décale vers la gauche, et il vous refile le tract. Et là vous dites... Je l'ai déjà eu. Formidable, je l'ai déjà eu. C'est pas sympa, je l'ai déjà eu. Voilà, c'est pas... Moi, une fois, mouvement CPE 2006, contrat première embauche, un gros mouvement étudiant. Sur la fac, on faisait les tracts le soir entre minuit et 3h du matin. On allait à la rotographie à Sud Éducation pour les imprimer. On finissait de les imprimer à 6h. On arrivait à la fac, on le distribuait. Non, je l'ai déjà eu. Donc évitez le « je l'ai déjà eu », enfin, sauf si vous l'avez déjà eu. Hein. J'ai déjà beaucoup mangé celui-là. Hein ? C'est que j'ai déjà beaucoup mangé aussi. Ouais, ce genre de truc, ouais, c'est ça. J'en ai déjà eu des comme ça. Non, mais dites, ça m'intéresse pas, j'en ai déjà eu des comme ça. Je l'ai déjà eu. Donc je me fous de sa gueule, évidemment que les gens veulent pas de ton tract. D'ailleurs, il faudra qu'on se pose la question pourquoi on continue à donner des tracts à des gens qui les veulent pas. C'est une autre question, il faudrait faire une conférence gesticulée là-dessus. Donc je veux me foutre de sa gueule. Et puis je comprends qu'en fait c'est plus compliqué que ça. Y avait un niveau de tension sur la question du voile à l'époque qui était assez élevé. Elle a voulu les imprimer avant les tracts. Elle est allée dans un magasin de photocopie dans la rue Les Neveux juste en dessous et elle s'est fait virer du magasin de photocopie. On veut pas de vous ici. Donc je prends le tract pour voir ce que cette racaille islamiste a raconté. Une école pour toutes et tous. L'école est un lieu d'émancipation. Il doit être ouvert à toutes et tous. C'est un lieu de rencontre. Je décide de distribuer le tract. Donc il faut imaginer que j'avais à peu près ces cheveux-là, alors c'est pas très dur à imaginer, à peu près cette barbe, un keffier en plus, et je distribuais un tract dans une manifestation d'arabes. J'en veux pas de ton tract! Quand on vient, nous, dans vos pays, on vous fait pas chier! Pourquoi vous nous faites chier chez nous? Heureusement qu'il y a des gens comme Jean-Marie Le Pen pour redresser le pays. Mais moi, quand je vais dans une mosquée, je retire mes chaussures. Je m'adapte à votre culture. Pourquoi vous les laissez pas tranquilles, vos femmes, vos sœurs? Ok. Ça a duré une heure comme ça. Une heure de gens qui m'ont envoyé des trucs à la gueule comme ça. Donc, ok. Un peu Vie ma vie. Vous voyez l'émission Vie ma vie. La dernière, j'avais envie d'aller lui parler. C'était une femme d'une cinquantaine d'années qui ressemblait à ma mère, manifestement féministe. Pourquoi vous les laissez pas tranquilles, vos femmes, vos sœurs? Moi, je vais la voir. Je lui dis non, mais vous comprenez pas. Je veux dire, moi, je suis là, je distribue des tracts, mais enfin, je suis pas musulman, moi. Je suis pas musulman, moi. Je suis pas comme eux, quoi. Je suis plutôt comme vous, à vrai dire. C'est qui ces gens, d'ailleurs, là C'est Samara. Bon, je suis pas allé jusque-là. Mais j'ai dit, je suis pas musulman, moi. Il m'a fallu du temps pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé à ce moment-là. Pourquoi tout d'un coup je me prenais tout ça dans la gueule? Pourquoi j'étais vu seulement comme un musulman? Et pourquoi j'avais eu besoin de me démarquer de ce groupe dont pourtant je voulais être solidaire? Je suis allé en parler avec mes camarades de la LCR. Il paraît que t'es allé au rassemblement dimanche. Beau travail. On t'avait dit que ces gens, ils étaient dangereux, Pablo. Mais arrête, mais Pablo, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais bien sûr qu'on les connaît, les imams des quartiers. Mais ils sont dangereux, ces gens-là. Tu te rends compte que tu renforces le communautarisme en travaillant avec eux? Tu renforces le racisme. Voilà, moi j'avais envie de me foutre dans un coin et de chialer, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais j'ai eu besoin de comprendre. J'ai eu besoin de comprendre. Et du coup, je me suis un peu intéressé au racisme, donc je vais essayer de vous partager ça. Martin, tu pourrais m'allumer le tableau, s'il te plaît? Waouh,
On l'avait préparé. Et donc vous partagez quelques trucs, alors ça va être le moment un peu théorique de la conférence, je vous demande un peu d'indulgence, je ne suis pas un grand théoricien. Mais déjà, est-ce qu'il y a des racistes dans la salle? Non? Personne? On est tous un petit peu, tu dis? Non, alors, j'ai eu des... Bonjour Cathy. J'ai eu des angevins, j'ai eu des juifs, des mathématiciens, mais alors des racistes? Jamais. D'ailleurs, si vous regardez bien, il n'y a pas de racistes. Enfin, en général, personne ne dit « je suis raciste ». Il y a des gens qui disent « je ne suis pas raciste, mais... » Bon, ça arrive. Mais des racistes, jamais. Même le Front National, Marine Le Pen, régulièrement dans les médias, explique « voilà, nous avons une tribune pour dire que nous ne sommes pas un parti raciste, je ne suis pas raciste. » Mais c'est quoi le racisme, en fait? Il y a plusieurs définitions du racisme. La première définition du racisme, que peut-être utilisent certains quand ils disent « je ne suis pas raciste », c'est cette théorie scientifique qui s'est développée au 18e... Bonjour, bienvenue. Qui s'est développée au 18e, 19e siècle, la théorie des races, et qui essayait d'expliquer donc qu'on pouvait lire dans la biologie humaine, dans l'anatomie, des différences entre les races. Il y avait tout de suite l'idée de supériorité entre les races et tout de suite une idée de justifier quelque chose. Cette théorie a été construite pour justifier le massacre et l'esclavage des Amérindiens et des Noirs. Et donc, il y avait cette idée-là, mais c'était une théorie scientifique. Et à l'époque, dire « je suis raciste » n'était pas subversif. Dire à l'époque « je suis raciste », c'était dire « je crois en la théorie des races ». Mais depuis que les scientifiques et depuis que l'histoire a démontré que la notion de race au sens biologique du terme n'avait pas de sens, c'est une autre définition qui est venue prendre le pas. C'est assez rare que les gens osent dire « je ne suis pas raciste » autant au sens de « je ne crois pas en la hiérarchie des races ». Ça arrive que des gens disent ça. Mais c'est assez rare parce que même s'il n'y a pas de race, les gens voient bien qu'il y a du racisme, qu'il y a des insultes, de la discrimination. Donc il y a une deuxième définition qui est venue prendre le pas. Et souvent... C'est souvent cette deuxième définition qui est utilisée par les gens quand ils disent « je ne suis pas raciste ». Et alors cette définition, ça serait, le racisme serait une espèce de haine inconditionnelle, irrationnelle, de tous les gens qui portent un stigmate. Un raciste serait quelqu'un qui déteste tous les Noirs, tous les Arabes, tous les musulmans, tous les Roms, et voilà, qui en aurait une haine viscérale. Et donc les gens disent « je ne suis pas raciste puisque je ne déteste pas tous les musulmans », par exemple, vous avez sûrement déjà entendu « je ne suis pas raciste, j'ai un pote arabe. » Ah oui, si j'ai un pote arabe, c'est que je ne déteste pas tous les arabes. Ou Nadine Morano, « je ne suis pas raciste, j'aime le couscous. » Bon. Donc le racisme est vu essentiellement comme une histoire de préjugés. C'est un truc qui se passe dans la tête, le racisme. Et donc il faudrait... c'est mal d'ailleurs d'être raciste et puis on l'aurait dans la tête. Et puis, ça serait cette haine inconditionnelle et irrationnelle. Et alors, moi, je vais vous proposer une autre définition et qui se base sur l'idée de mécanique raciste. Vous me dites si c'est pas lisible, j'essaye d'écrire gros. Ça va? Et donc, j'aimerais défendre ici l'idée que le racisme, c'est pas d'abord dans la tête, c'est d'abord dans les faits. Le racisme, c'est d'abord un système social discriminant, inégalitaire, qui fait que la société est organisée de telle sorte que, en fonction de sa couleur de peau, de ses origines migratoires, de ses habitudes culturelles ou religieuses, on va avoir moins le droit de prendre la parole en public, moins le droit aux places de pouvoir, moins le droit aux postes à responsabilité dans les entreprises, moins le droit à la sécurité, à ne pas avoir de contrôle aux faciès et de contrôle de police violent, à se faire tuer, à se faire tabasser, etc., etc. Donc c'est d'abord ça. Le racisme, c'est d'abord des discriminations. C'est d'abord des discriminations dans les actes. Et ensuite, la mécanique raciste... Les discriminations... La mécanique raciste, c'est la logique de pensée qui nous amène à justifier ces discriminations, à les accepter, à les rendre tolérables, à faire qu'on ne s'insurge pas, qu'on ne se révolte pas,
qu'on n'arrête pas de bosser, qu'on ne se mette pas en grève de la faim à chaque fois qu'on voit une discrimination et qu'on finisse par se dire finalement, bon, c'est pas si grave si à l'Assemblée ils sont tous blancs, si la plupart sont des hommes, s'ils sont tous de classe supérieure, etc., etc. C'est pas si grave si on n'entend jamais des Arabes, des Noirs, des femmes dans les médias. Oui, parce que je parle de mécanique raciste, mais c'est le, genre, le même genre de mécanique qui nous amène à justifier les discriminations sexistes, le fait que les femmes à diplôme égal et à emploi égal soient payées 20 à 30% de moins que les hommes, les discriminations homophobes, etc. Et probablement, comme me l'a appris aussi, les discriminations audistes, discrimination à l'encontre des personnes sourdes, c'est des mécaniques qui nous amènent à les justifier. Et alors, on va voir comment fonctionne la mécanique raciste dans la justification de ces discriminations. Alors, la première étape de la mécanique raciste, c'est l'idée de... Le terme un peu pompeux, je vais l'écrire quand même, mais bon. C'est essentialiser. Autrement dit, stigmatiser. Réduire une personne à une seule identité. C'est ce que j'ai vécu, moi, le 15 février 2004. Alors que je suis plein de choses... Tout d'un coup, les gens ne me regardaient plus que comme une seule chose. C'est absolument terrible de vivre ça. Moi, ça m'est arrivé une heure dans ma vie, mais il y a des gens pour qui c'est en permanence. Il y a un ami noir qui me disait, quand je prends la parole dans un débat autour des questions liées au rapport de domination ou quoi, les gens, ils me voient comme le noir, enfin, celui qui prend la parole au nom des noirs. Enfin, je, comme si j'étais un noir, et juste un noir. Plein de gens ont vécu ça, plein de blancs ont vécu ça quand ils vont en Afrique noire pour la première fois. Alors là, il y a le toubab, le blanc, etc. T'es là, tu dis arrête, je suis pas blanc, je suis normal, ça va. Bon, et ben, y a des gens qui vivent ça en permanence. Et puisque je parlais de la question du voile, les femmes voilées particulièrement. Dès qu'une femme voilée prend la parole, on dirait qu'elle prend la parole au nom de l'islam et de toutes les femmes voilées. Enfin, être essentialisé, réduit à une seule identité. La deuxième étape de la mécanique raciste, c'est l'idée de homogénéiser. C'est-à-dire, ils sont tous pareils. Il n'y a pas de différence, c'est le passage au pluriel. Les Arabes, les Noirs, les homosexuels. Bon, voilà, il n'y a plus de différence de classe, de culture, de passion, individuelle, non, non. On va les regarder hein, en général, les médias font beaucoup ça, hein. les jeunes de quartier, les quartiers, bon, enfin, bref, il y en aurait beaucoup. L'idée donc que, voilà, ils sont tous pareils. La troisième étape de la mécanique raciste, c'est altériser. C'est de dire, ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme nous, c'est... vous savez, par exemple, dans les années 80, il y a eu un mouvement antiraciste fort qui s'appelait la Marche pour l'égalité. Leur revendication, c'était égalité, égalité des droits. On veut participer aux droits communs, on veut être tous égaux, tous ensemble. Cette marche a été rebaptisée la Marche des Beurs. Et puis, pour contrer la Marche des Beurs, le Parti Socialiste a créé une organisation, SOS Racisme. Et le slogan de cette organisation, c'était « Touche pas à mon pote ». On est passé de « Nous voulons tous être égaux, marche pour l'égalité » à « Touche pas à mon pote ». Mon pote. Mon pote, c'est l'autre. C'est l'autre. Il faut accepter l'autre. Voilà le slogan des SOS Racisme. Il faut accepter la différence. Tolérer la différence. Elle fait chier, mais enfin, il faut la tolérer. La différence. Je suis prof de maths, on va faire un petit cours de maths, c'était déjà chiant là, ça va devenir carrément tournant. Petit cours de maths, on y va. Soit deux éléments, A et B. Supposons que A est différent de B, alors B est différent de A. C'était pourtant pas compliqué. Oui, mais la différence, c'est l'autre, c'est pas moi, enfin... Il faut accepter la différence. Il faut accepter l'autre. Il y a Christine Delphi,
une sociologue féministe que j'aime beaucoup, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Classer, dominer, qui sont les autres ?» et qui dit, quand on nous dit « il faut accepter l'autre », déjà, qui c'est qui parle ? Ben, c'est pas l'autre qui parle. Parce que si l'autre parlait, il dirait « il faut m'accepter hein, ». Voilà. Donc c'est pas ça qui se passe. Donc c'est pas l'autre. Donc il y a quelqu'un qui fait partie de nous, voilà. Donc on va l'appeler l'un, il y a l'un et l'autre, et donc l'un qui fait partie de nous, nous dit à nous, avec un petit clin d'œil de connivence, il faut que nous acceptions l'autre. L'autre dans cette histoire, c'est celui qui parle pas, c'est celui qui est parlé, c'est celui qui est objet du discours et pas sujet. C'est celui qui est parlé, d'ailleurs l'autre il parle pas, dans les médias l'autre... Je ne sais pas combien il y a de noirs, d'arabes, de musulmans, de femmes voilées qui sont porte-parole de l'organisation, qu'on entend régulièrement dans les médias, dans les chroniqueurs, dans les journalistes. Combien de femmes voilées on a entendu dans le débat sur le voile à l'école. Donc l'autre, c'est celui qui ne parle pas. C'est celui à qui on peut donner un nom. On peut l'appeler indigène, puis travailleur immigré, après issu de l'immigration, après issu de la diversité. Voilà, communautariste, enfin bref, on peut lui donner tous les noms qu'on veut. Par contre, l'autre, il ne peut pas nous donner un nom à nous. Ah ben non. Ça, c'est du racisme anti-blanc. Ah, oui. Il y en a une qui a essayé, c'est Ouria Boutelja, porte-parole du Parti des Indigènes de la République. Elle a dit, nous qui sommes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants d'Algériens, mais nous sommes français depuis plusieurs générations, vous continuez à nous appeler des Algériens. Bon. Ben, vous, là, les Français de souche, comme vous dites, je ne sais pas trop ce que c'est cette souche, mais enfin bon, les Français de souche, on va vous appeler des souchiens. Bon. Finkielkraut à France Culture, un intellectuel. Enfin, intellectuel, je sais pas. Je le dis pour lui laisser le temps de traduire Finkielkraut, je lui avais dit que j'écrirais, mais je ne sais pas comment ça s'écrit. Finkielkraut sur France Culture qui dit « J'entends très très bien le trait d'union qu'il y a entre sous et chien dans sous-chien. » Bon. Elle a été attaquée pour... je peux l'écrire. Sous-chien. Sous-chien, de français de souche. Qu'est-ce que je disais ? Je disais « Elle a été attaquée pour racisme anti-blanc, heureusement elle a été acquittée. » Donc ils ne peuvent pas nous donner un nom à nous, ils ne peuvent pas non plus donner un nom à eux-mêmes. Quand ils essayent de le faire, on les traite de communautaristes. Donc la troisième étape de la mécanique raciste, donc on commence par essentialiser, regarder la personne à travers une seule identité, puis homogénéiser, ils sont tous pareils, bon pas tout à fait, hein. Il y a les musulmans radicaux, les musulmans modérés, mais enfin bon quand même l'islam, en gros. Altériser, ils ne sont pas comme nous. Quatrième étape, c'est péjorer, nous valons mieux qu'eux, ils valent moins bien que nous. Hein ouais, c'est vrai, je veux dire, c'est... moi, j'ai rien contre les homosexuels, hein. Mais pour les enfants, quand même. Non, c'est vrai, ça... Ils ne peuvent pas vraiment élever des enfants sans que ça crée des traumatismes, des... Et puis, c'est dangereux pour les fondements de notre civilisation. Donc, il y a toujours ce double élément dans la péjoration de... Ils ne sont pas capables, ils sont un peu débiles, enfin ils ne peuvent pas. Pour les étrangers, par exemple, le droit de vote des étrangers aux élections, on va nous expliquer qu'ils ne sont pas capables de voter dans une logique démocratique, ils vont voter dans une logique communautaire, ça va faire des ghettos et tout. Ils ne sont pas capables. Et puis c'est dangereux. Si on se met à faire ça, c'est dangereux pour les fondements de notre République, on va avoir des villes islamisées, etc. Donc il y a toujours cette double dimension, parfois même dans une seule et même personne. Ça a été le cas des femmes voilées. On a expliqué qu'elles n'étaient pas capables, elles ne sont pas capables de résister à leurs hommes, elles sont forcément soumises, elles ne peuvent pas l'avoir choisi, et en même temps elles sont dangereuses pour la laïcité, pour le féminisme, etc. Donc il y a toujours cette double idée. Et donc une fois qu'on les regarde à travers une seule identité, ils sont tous pareils, ils ne sont pas comme nous, et nous valons mieux qu'eux, bon, vous avez vu, ça tourne, hein. L'étape zéro, c'est... en fait, ce n'est pas vraiment une discrimination, enfin... Ça le justifie, en tout cas même, des fois ça la nie ou ça l'invisibilise. Il y a Christine Boutin, pardon pour les références. Christine Boutin, à propos du mariage pour tous, elle avait dit à propos des homosexuels, non, les homosexuels ne sont pas discriminés. Ils ne sont pas discriminés. Puisque les homosexuels, comme les hétérosexuels, ont le droit de se marier.
Simplement, comme les hétérosexuels, ils doivent se marier avec quelqu'un de l'autre sexe. Voilà. Très bien, très bien. Voilà, donc, nier la discrimination. Mais le truc, c'est que ce discours de Christine Goutin, en fait, c'était le même genre de discours que moi ou mes amis, on avait pu tenir au moment de la loi sur le voile à l'école. Parce qu'on disait, mais non, les filles voilées ne sont pas discriminées. Elles ont le droit d'aller à l'école, elles ont le droit de travailler. Simplement, il faut qu'elles retirent leur voile. Et en fait, je vois bien que ça fait moins rire, hein. En fait, c'est ce discours-là qui nous amène, je vais y revenir dans le reste de la conférence, et je sais que c'est polémique, et je vais revenir sur pourquoi j'ai choisi ça, mais qui nous amène à ne même pas voir, à ne même pas constater que quand on est une femme voilée en France, le seul boulot qui nous est autorisé, c'est femme de ménage, et encore pas dans toutes les entreprises, même quand on est diplômé à Bac+8. De ne pas voir qu'en France, les femmes voilées n'ont même plus le droit d'aller à l'école et de partager des savoirs avec les gens. Bientôt, peut-être même, elles n'auront plus le droit d'aller à l'université. Elles n'ont peut-être plus le droit d'accompagner leurs gamins dans les sorties scolaires. De se rendre compte le niveau de discrimination, parce qu'il y a tout un tas de discours qui nous amènent à ne même pas voir que c'est une discrimination de fait. Certaines femmes n'ont même pas le droit de se balader dans la rue, pour celles qui portent le niqab. Et donc, je vais revenir sur tous ces trucs-là, hein. J'en termine pas là, mais de qu'on se rende compte déjà qu'il y a des discriminations qu'on ne voit même pas. Ok. Ça va ? Ouais. Passage de relais. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler dans... Tu peux baisser... Martin, t'es en régie ? Tu peux baisser un tout petit peu le public, peut-être. Je sais pas si c'est désagréable pour vous. Non, ça allait ? Bon. On va parler de ça. On va parler de ça, on va essayer de creuser ces trucs-là. Il y aura un moment de discussion entre nous au milieu de la conférence, et puis après je reprendrai en mode conférence. Il y aura surtout l'atelier après où on pourra, vous pourrez parler beaucoup plus. On va en parler, et comme vous l'avez compris, l'angle d'attaque que je vais prendre, le point d'entrée que je vais prendre, c'est ce racisme un peu nouveau, baptisé islamophobie. Et qui va être mon point d'entrée dans la mécanique raciste. Et le choix de ça, c'est que... En fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est quelque chose qui m'a touché personnellement le 15 février 2004, et depuis, c'est quelque chose qui me touche pour avoir milité aux côtés de femmes qui portent le voile, notamment. Et puisque je suis là pour vous parler de moi, je vous parle de ça. La deuxième raison, c'est que je pense que c'est un racisme qui est particulièrement fort en ce moment, particulièrement important, particulièrement dangereux. La troisième raison, c'est que... C'est un racisme ou c'est une question qui est polémique à gauche, ou sur laquelle on n'est pas d'accord souvent. Et donc je pense que dans la salle, on n'est pas forcément d'accord sur cette question-là, parce que toutes les organisations de gauche, tous les syndicats ont été traversés de contradictions, de débats, se sont entre-déchirés, et que je me dis que, voilà, autant ne pas aller dans les trucs consensuels. La dernière raison, c'est que je pense que ce racisme-là, c'est celui qui vient parachever une dynamique qu'il y a eu dans le racisme. On est passé d'un racisme de type biologique qui disait que les Noirs n'avaient pas d'âme et qu'on pouvait les esclavagiser parce que ce n'étaient pas vraiment des êtres humains. Quand ce truc-là a été balayé, on est allé vers un racisme de nature culturelle. Et on a expliqué que notre civilisation est supérieure à la leur. Notre culture, une culture qui revendique l'égalité entre les hommes et les femmes est supérieure à une culture qui pratique l'excision. Voilà. Donc, on nous a amené à penser le racisme en termes culturels, et l'islamophobie vient achever ce truc-là. Ça n'est plus que l'angle culturel, puisqu'on regarde essentiellement la question de la religion, c'est-à-dire des pratiques culturelles, et plus du tout ça. Et je pense que ce truc-là est extrêmement dangereux, parce qu'il est difficile à déconstruire, et parce qu'on nous dit que si on ne veut pas penser en ces termes-là, si on ne veut pas affirmer qu'une société qui revendique l'égalité entre les hommes et les femmes est supérieure à une société qui pratique l'excision, eh bien, c'est qu'on est obligé de penser en ces termes-là, c'est-à-dire ce qu'ils appellent relativisme culturel. Pardon pour... relativisme culturel. L'idée du relativisme culturel, c'est l'idée de chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez l'idée que... nous avons bien le droit de pratiquer l'égalité entre les hommes et les femmes, ils ont bien le droit de pratiquer l'excision, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Et je vois bien que ça ne me va pas. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas porter des jugements politiques sur les choses, mais ça ne me va pas non plus. Et du coup, je pense qu'on est enfermé dans ce truc-là. Et donc, j'y reviendrai.
Mes petites notes, est-ce que j'oublie rien? J'oublie rien. Et je pense qu'un des acteurs importants de la construction de cette mécanique raciste, ce sont les médias. Martin, est-ce que tu peux me faire une lumière genre plateau télé TF1, tu vois, un truc genre, ouais, bleu, bien, bleu. Voilà, un face, super. Un petit peu pour mon ami interprète quand même, qu'on la voit. Je peux partir? Non, 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 reste, reste. Très bien. Une fois de plus, c'est la question de la violence des jeunes sur fond d'insécurité qui monopolise l'attention des habitants des quartiers parisiens, et ce, alors que Une fois de plus, c'est la question de la violence des jeunes sur fond d'insécurité qui monopolise l'attention des habitants des banlieues parisiennes, et ce, alors que l'État se remet à peine des attentats de Charlie Hebdo. Vol en réunion, agression, braquage, tournante sont le quotidien dans ces quartiers où les forces de l'ordre osent à peine pénétrer. De Mantes-la-Jolie et au risque de sa vie, notre envoyé spécial Thierry Thiraud. Thierry, tout à fait, la délinquance des jeunes connaît une ascension qui n'est pas sans inquiéter les forces de sécurité. Il suffit de regarder les statistiques, hein, le nombre de reconduites à la frontière, de clandestins étrangers, hein, a augmenté de 23%, le nombre de contrôles de police, de présumés délinquants, qu'ils soient d'origine arabo-musulmane, afro-antillaise ou cigano-roumaine, a augmenté de 26%. Comme vous le voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui, d'ailleurs, je parlais tout à l'heure avec un chiffre qui me disait que les habitants ne se sentent plus en sécurité dans ces quartiers. Mais c'est surtout le croisement de deux phénomènes nouveaux qui inquiètent les forces de notre président. D'une part, une guerre de gangs, une sorte de conflit interethnique aux allures de guerre civile qui s'inspire largement du conflit israélo-palestinien en reprenant à son compte l'antisémitisme absolument omniprésent dans ces quartiers. D'autre part, le développement d'un intégrisme musulman, véritable base de recrutement pour le djihad islamique et qui, de couic halal en burqa, joue un rôle majeur dans l'oppression des jeunes filles de ces ghettos communautarisés. Une question se pose alors à nous tous. Peut-on encore laisser faire sans réagir? Et maintenant, le printemps qui avait disparu... Merci, tu peux m'enlever TF1. Bon... J'ai un peu forcé le trait, mais pas tant que ça en fait. Franchement, pas tant que ça. Enfin, quand on regarde la façon dont les médias construisent ce truc-là, mais des fois ouvertement, comment le passage au pluriel est permanent, l'homogénéisation. Il y a un truc que Daniel Mermet a appelé l'islamalgame. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais en fait, il a décortiqué le nombre de fois où les journalistes, dans une seule et même phrase, utilisent des concepts comme... arabes, musulmans, étrangers, immigrés, clandestins, conflits israélo-palestiniens, islamistes, terroristes, tout ça dans une même phrase, comme ça on est sûr qu'on comprend bien rien à de quoi on parle. Quoi. Les logiques de bouc émissaire, qui sont très très fortes dans l'idée de péjoration. Bouc émissaire, ça se traduit ça ? La logique du bouc émissaire, c'est l'idée que... En fait, on peut prendre des problèmes bien réels de notre société, des problèmes qui sont partout dans notre société. L'exemple le plus fort, c'est le viol en réunion, ou le viol en général d'ailleurs, mais rien que le viol en réunion, le fait que plusieurs personnes violent une ou plusieurs femmes, c'est des pratiques qui existent dans toutes les classes sociales, dans tous les milieux sociaux, qui existent partout, et à une proportion qui est à peu près équivalente à la proportion de la classe sociale. Bien sûr, il y en a moins dans la haute aristocratie, mais c'est parce que la haute aristocratie, il y en a moins que dans les classes populaires. Vous comprenez ? Mais en proportion, il y en a partout à peu près pareil. Et pourtant, les médias, quand ils parlent de viol en réunion, ils ne parlent que des tournantes qu'il se passe dans des caves, dans des quartiers populaires, ou qui sont sales en plus. Enfin, ah, c'est dégueulasse. On pourrait au moins faire ça proprement. Oh là là, pardon. Ça, je ne le dis pas d'habitude. Bon, mais il y a cette idée-là. Et cette logique du bouc émissaire a un double intérêt. D'une part, péjoration, on montre que vraiment, mais alors, cela, c'est la pire des espèces. Et d'autre part, ils ne sont pas comme nous. Nous, on ne le fait pas. Et ça vient dédouaner, tranquille, le reste de la société. Le problème, c'est eux, et ça se passe seulement là.
Beaucoup de sociologues ont travaillé sur ce truc-là, et les médias sont très très forts pour ça. Dans la logique d'homogénéisation, de dire qu'ils sont tous pareils, il y a un beau moyen qu'utilisent les médias, c'est tout simplement de jamais leur donner la parole. En leur donnant jamais la parole, eh bien, évidemment, on ne voit pas les subjectivités, les différences entre les gens. Voilà. On peut parler d'eux comme une masse informe. Et c'est quelque chose qu'ils font souvent. Et dans la péjoration, il y a aussi la façon de toujours tout montrer en négatif. Dans les quartiers, c'est toujours négatif. Et pire, quand ils montrent des trucs en positif, ils en font une espèce d'exception formidable. Regardez ce jeune homme issu des quartiers populaires et qui est devenu patron d'entreprise, c'est formidable, incroyable, incroyable. Et donc il y a cette idée que, en fait, l'exception, c'est certainement pas la norme. Voilà, à chaque fois qu'il se passe un truc comme ça de positif, c'est une exception absolue. Voilà. Et ce truc-là participe de l'homogénéisation et nous fait rentrer dans la tête ce truc-là. Et puis il y a des concepts que de temps en temps, ils nous balancent à la gueule et qu'ils développent à fond. Et donc il y a eu une mode il n'y a pas longtemps sur le racisme anti-blanc. Et donc j'aimerais juste défendre devant vous que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Alors, il y a deux raisons qui font que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. La première raison, alors juste d'abord une petite parenthèse, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois dans la salle, mais attends, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Moi, je suis blanc, j'habite dans des quartiers, je peux te dire que j'en prends plein la gueule, etc. Donc je ne nie pas qu'en tant que blanc, on puisse être essentialisé, réduit au fait que t'es blanc. Homogénéiser, vous les blancs, vous êtes tous pareils. Altériser, vous les blancs, vous n'êtes pas comme nous. Voire péjorer, on n'aime pas les blancs. Mais pour autant, cette logique-là ne vient pas justifier une discrimination qu'en France, les blancs subiraient à l'embauche, dans les médias, dans la possibilité d'avoir la parole, dans la possibilité de devenir député, etc. Et c'est bien ça. Et c'est peut-être ça qui définit ce que c'est qu'être blanc. C'est pas simple de définir qu'est-ce que c'est qu'être blanc. C'est certainement pas une couleur de peau. Moi, je suis pas blanc. Y a des gens qui sont mat de peau et qui pourtant sont pas discriminés, mais ils sont pensés comme blancs. En fait, blanc, c'est pas une couleur de peau. C'est une place dans l'organisation de la société. C'est justement ne pas subir de discrimination raciste. Et donc, les gens qui ne subissent pas de discrimination raciste au quotidien dans les faits, pour moi, on ne peut pas appeler ça du racisme quand il y a le reste de la mécanique qui leur est adressée. Je sais pas si c'est clair cette idée-là. Je vous demande pas d'être d'accord. Au moins, est-ce que c'est clair? C'est le même genre de choses qu'on pourrait dire quand on va en Afrique et quand on est perçu comme blanc, homogénéisé, tous pareils, altérisé, vous les toubabs, vous les blancs, parfois péjoré, quoique souvent, moi quand je suis allé au Sénégal en tout cas, c'était plutôt à vous les blancs, vous êtes formidables. Enfin, on peut imaginer qu'on soit péjoré, mais par contre on n'est pas discriminé en Afrique en tant que blanc, ne serait-ce que parce qu'on a des papiers, on peut partir quand on veut et aller en France, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres personnes ici présentes. Donc voilà. Donc, la première raison qui fait que le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est que ça ne vient pas justifier un système social discriminant. Mais il y a une deuxième raison qui fait que le racisme anti-blanc n'existe pas. Et cette deuxième raison, elle nous est donnée par Pierre Desproges. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands cachaient mal une certaine antipathie à l'égard des Juifs. Enfin, ce n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile jaune à sa veste, hein, pour bien montrer qu'on n'est pas n'importe qui, hein, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi que j'irais pointer au vélodrome d'hiver, hein. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Ben, je vais à la douche si je veux. Voilà, bon. Je ne sais pas si c'est drôle, en tout cas c'était un sketch hein, de Pierre Desproges qui avait pour objectif de faire rire. Or en fait c'est ça qu'ils nous font dans les médias, sur cette histoire de racisme anti-blanc. On me dit que des Noirs, des Arabes, des Roms, des musulmans se sont glissés dans la salle. Bon, vous pouvez rester. Enfin, on ne montrera pas de l'idée que pendant la décennie 2010, de nombreux Noirs, Arabes, Roms, musulmans ont eu une attitude carrément hostile à l'égard de l'État français. Bon, il est vrai que les Français cachaient mal une certaine antipathie à leur égard. Enfin, ce n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie.
en criant nique la France, en s'appelant indigène de la République. Et qu'est-ce que c'est que ces contrôles aux faciès? Et j'enlèverai mon voile si je veux. Et ça, c'est pas une blague. Et puis le problème, c'est quand ces éditorialistes, là, les 50 mêmes, les Zemmour, les Finkielkraut, les, vous voyez, ceux-là qu'on entend tout le temps, partout, pardon pour les noms, mais enfin, voilà, on comprend l'idée. Quand tous ces gens-là, ils déversent leur haine tout le temps, partout, et que de temps en temps, on leur reproche, Zemmour a dit, par exemple, « La plupart des trafiquants de drogue sont noirs et arabes. » C'est comme ça, c'est un fait. Bon, il a été accusé, condamné pour incitation à la haine raciale, et il a levé le drapeau de la liberté d'expression. Liberté d'expression. Ah oui. Ah, on est en France, quand même. On a bien le droit d'insulter les Arabes, quand même. Liberté d'expression. Alors, je vous propose un petit jeu. Un petit jeu sur la liberté d'expression. Je vous propose de vous lever et de me rejoindre sur scène. Allez, on va se réveiller comme ça. Ouais, peut-être tu peux allumer un peu plus la salle, Martin, je sais pas. Ouais, il fait chaud sur scène, vous avez froid, vous ? Là, ça va ? C'est bien, hein ? Ça va chaud ? Ok, super, merci. Alors, on va faire un petit jeu et ça va être interprété. Je sais pas comment vous allez faire pour filmer, mais enfin, on va se regarder. Donc, on va faire un jeu sur la liberté d'expression et ça va se passer en trois étapes. Oh là, je sais pas où. Alors, première étape, je vais vous dire des phrases et je vais vous demander de vous positionner. Alors, pour l'instant, on va pas débattre, on va juste se positionner physiquement dans l'espace. Est-ce que ces phrases vous choquent, vous dérangent, sont pas agréables à entendre? Voilà, un truc qui fait dans le ventre là. Ben on n'aime pas, quoi. Voilà. Ici, de ce côté-là, c'est pas agréable d'entendre ça, on n'aime pas, ça me choque. Voilà. De ce côté-là, pour moi, c'est anodin, ça me fait rien d'entendre, voilà, ça ne touche pas. C'est clair? Intuitivement, voilà, un peu comme ça. Donc on y va. Je les ai écrites pour les personnes sourdes notamment, mais les autres. Première phrase. Je me suis mis à travailler comme un nègre. Bon, je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. À propos des Auvergnats. Il faut admettre que l'esclavage est le premier exemple de grand commerce international entre blancs, noirs et arabo-turcs rentable pour toutes les parties. Je me sens Charlie Koulibaly. Dernière phrase. L'islam, c'est quand même la religion la plus con. Alors, maintenant, on va faire un deuxième jeu. Maintenant, je vais vous demander de vous positionner de ce côté. Si vous pensez qu'il faut qu'il y ait une loi qui fasse que l'expression publique de ces phrases soit sanctionnée. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une loi a priori qui fait que quand quelqu'un exprime des phrases que je vais vous nommer, eh ben, il puisse avoir une amende, une peine de prison, quelque chose de ce type-là? Ah, non, de ce côté-là, c'est que vous pensez le contraire, donc. Donc de ce côté-là, c'est que vous pensez qu'elle peut être choquante ou quoi, mais la loi ne doit pas sanctionner le fait de l'exprimer publiquement. Et on ne doit pas encourir un quelconque risque d'amende ou quoi que ce soit pour avoir exprimé publiquement ces phrases-là. C'est pour chacune des phrases. Donc on va se remettre au milieu tous ensemble. On s'aime. Voilà, formidable. Je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mes enfants. Favorable à une sanction, défavorable à une sanction. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. Il faut admettre que l'esclavage est le premier exemple de grand commerce international entre blancs, noirs et arabo-turcs, rentable pour toutes les parties.
Je me sens Charlie Koulibaly. L'islam, c'est quand même la religion la plus con. Ok. Allez, maintenant, on va débattre. Donc, allez, on se rassemble encore. Et donc... Ah oui, ouais, pardon. C'est pas trop se rassembler, pardon. On se rassemble pas. Désolé. Alors, ce que je vous propose maintenant, on va encore diviser l'espace en deux, mais maintenant, on va débattre. Donc, cette fois, je vais vous dire une phrase, et je vais vous demander de vous positionner selon si vous êtes d'accord avec cette phrase. Donc là, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation, ou au contraire, en désaccord avec cette affirmation. Ok ? Là, c'est d'accord, là, c'est pas d'accord. Personne ne reste au milieu. Pourtant, ça va être une affirmation volontairement malhonnête, car... malhonnête, caricaturale, ambiguë, qui fait que t'as juste envie de dire « mais tu fais chier avec ton truc à la con », voilà. Mais bon, d'accord, pas d'accord. Mais ensuite, ça sera un débat mouvant. C'est-à-dire, je vais vous proposer de... On va discuter un peu pour construire des arguments, et puis une fois qu'on aura construit des arguments, on va donner un argument au camp d'en face. Et si, dans le camp d'en face, quelqu'un donne un argument qui me touche, où je me dis « bon, ça m'a peut-être pas fait changer complètement d'avis, mais là, il a raison de dire ça. Ça, effectivement, là il vise juste. » Je change de camp pour montrer que je suis d'accord avec l'argument. Et du coup, je me retrouve dans l'autre camp, et puis je vois qu'est-ce que ça me fait d'être dans l'autre camp, qu'est-ce que j'ai envie de défendre de ce côté-là, c'est clair. Évidemment, si de mon côté, il y a quelqu'un qui donne un argument tout pourri, je change de camp pour dire, ça va pas ou quoi, ok. Donc on va essayer de jouer. Et donc l'affirmation est la suivante. Donc on a dit, d'accord, pas d'accord, la liberté d'expression, c'est de pouvoir dire tout ce qu'on veut. Merci beaucoup, c'était vachement chouette. Je le fais vachement souvent ce débat, et il y a des niveaux inégaux en fonction des gens, puis l'énergie ou je sais pas quoi. Puis là c'était très très riche. Moi il y a deux trucs sur lesquels j'aimerais revenir. D'abord c'est ce que je vous ai proposé comme jeu, pour moi c'est un truc important. C'est de savoir distinguer dans tous les débats sur la liberté d'expression, distinguer entre ce qui est condamnable, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de se battre contre, les idées qu'on n'aime pas, et le fait de les interdire. Et être en capacité de distinguer ces deux choses dans les deux sens. C'est-à-dire, moi par exemple, dans ma vie quotidienne, je passe un peu pour le chieur des fois quand les gens utilisent le terme « enculé », qui est un terme vachement utilisé dans le sud de la France. « Enculé », ça se traduit Et en fait, je dis « enculé », et le fait de le prononcer comme la pire des injures, vraiment un enculé, c'est vraiment la pire des choses. Enculé, ça veut dire recevoir une bite dans le cul, à peu de choses près, c'est ça. Donc, c'est pas une question de vulgarité ce que je pose, hein, c'est une question de qu'est-ce que ça dit. Ce que ça dit, c'est que se faire pénétrer dans l'anus, c'est infamant, c'est dégradant, voilà. Donc c'est un propos qui est homophobe et sexiste, puisque dans l'imaginaire, c'est les homosexuels et les femmes qui peuvent être enculés. Et donc, ce propos est terriblement homophobe et sexiste, surtout vu la violence qu'il porte. Les gens me disent « Oh, ça va, on peut plus rien dire, ça va. » J'ai pas dit que tu pouvais pas le dire. J'ai pas dit que tu ne peux pas le dire. Dis-le si tu veux, mais aie conscience que quand tu le dis, tu tiens un propos qui est terriblement sexiste, qui participe terriblement d'une mécanique sexiste et homophobe. Après, si t'as envie d'être sexiste et homophobe, enfin, de porter ce genre de propos et tout, moi, je te l'interdis pas. Ça veut pas dire qu'il faut rien interdire. Hein. Moi non plus, je sais pas où me positionner dans ce débat-là. Mais en tout cas, de réussir à distinguer ces deux choses. Il y a eu un bon exemple, à mon avis, qui est devenu d'actualité. Ça fait 3 ans que je fais cette conf, et puis tout d'un coup, il y a eu une espèce d'actualité qui s'est imposée à moi. Alors bon, je fais avec. J'ai pas envie de le mettre de côté sous prétexte qu'il y a eu cette actualité. Un bon exemple, à mon avis, c'est Charlie Hebdo. Donc, probablement que vous vous rappelez de comment tout ça a commencé. Il y a eu des caricaturistes suédois ou danois... Ouais, enfin, les nordistes, c'est tous les mêmes. Il y a des caricaturistes danois, enfin plutôt un journal danois qui fait un appel à ce que les caricaturistes danois caricaturent le prophète de l'islam, Mahomet.
Donc il y a un appel à des caricatures, il y en a un certain nombre qui sont publiées, plus ou moins violentes, plus ou moins vécues négativement par des gens, enfin bon, il y a de tout. Celle qui a le plus marqué les esprits, c'est juste une figure de Mahomet avec un turban en forme de bombe, désignant l'islam en tant que tel comme terroriste, voilà. En tout cas, bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça a provoqué des réactions, plein de gens se sont sentis heurtés, choqués, il y a eu des manifestations, des menaces de meurtre, etc. Et Charlie Hebdo, en grand défenseur de la liberté d'expression, propose de republier ces caricatures ainsi que d'autres caricaturistes français ou autres. Ils sont attaqués pour incitation à la haine raciale par des organisations musulmanes et des organisations antiracistes. Et le truc que j'ai trouvé dingue dans ce débat-là, c'est que le débat tel qu'il était posé à l'époque, c'était faut-il ou non interdire les caricatures du prophète ? A-t-on ou non le droit de blasphémer ? Voilà la nature du débat qu'il y avait. Et pour moi, le débat, c'était pas ça. Pour moi, le débat, c'était est-ce que faire des caricatures du prophète de l'islam, religion, des gens qui sont majoritairement dans les classes populaires plutôt pauvres, issus de l'immigration qu'on a exploitée et issus d'une tradition, enfin, disons qu'ils viennent de l'immigration coloniale. Est-ce que faire ces caricatures à ce moment-là de l'histoire participe ou pas de cette mécanique raciste et de la construction d'un ennemi intérieur, de gens qui sont néfastes ? Est-ce que ça y participe ? Autrement dit, dans un autre contexte, donc la question pour moi n'est pas abstraitement « a-t-on le droit de blasphémer ? A-t-on le droit de caricaturer ?» mais concrètement, est-ce que les caricatures qui dans les années 20, 30, 40 sont sorties dans tout un tas de journaux pour caricaturer la religion juive, est-ce qu'elles ont ou non participé, au-delà d'une liberté d'expression, d'une mécanique qui a amené jusqu'à un génocide ? Et pour moi la question elle est là, et c'est même pas tellement la question de l'intention. Est-ce que les gens de Charlie Hebdo avaient l'intention de faire du mal à des Arabes ou des musulmans ? Pour moi, c'est même pas ça la question. C'est qu'est-ce que ça produit concrètement dans une société donnée ? Et moi, je trouve que ce débat-là aurait été intéressant et qu'on en débatte. Qu'est-ce que ça crée ? Après, est-ce qu'il faut l'interdire ou pas ? Oui, non, j'en sais rien. Enfin, moi, je pense plutôt que non. C'est bien que les choses se disent, mais je suis pas sûr, comme vous. Mais en tout cas, voilà, le débat n'était pas au bon endroit. Il y a un deuxième débat qui me paraît central dans cette question. Ça a été dit je veux dire son prénom, c'est Mathieu, mais... Vous ne connaissez pas, donc vous ne voyez pas qui c'est. C'est la question de à qui est-ce qu'on veut donner les armes pour pouvoir choisir qu'est-ce qui peut être dit et qu'est-ce qui ne peut pas être dit. Qui peut le dire et qui ne peut pas le dire. Ça, c'était le débat que vous aviez à la fin. Il y a vraiment là, dans l'idée de liberté d'expression par la loi, l'idée qu'il y a des gens. Parce que quelqu'un a dit, on se fixe des règles collectivement. Je ne sais pas si vous avez participé à l'élaboration de ces lois. Moi, en tout cas, ce n'est pas le cas. Blague à part, la société est plus ou moins démocratique, mais enfin plutôt moins que plus. Et donc il y a des gens qui fondent des lois qui disent que certaines choses peuvent être dites et ne peuvent pas être dites, et certaines personnes peuvent les dire et ne peuvent pas les dire. Même si ce n'est pas écrit comme ça dans la loi, dans les faits, c'est ça qui se passe. Par exemple, je reprends l'exemple de Charlie Hebdo. Quelle a été l'attitude de l'État, pas en janvier 2015, mais bien avant, quand il y a eu ces caricatures ? Donc ils sont attaqués en justice, il y a un procès. Au procès, ils reçoivent le soutien de François Bayrou, membre de l'opposition de l'époque, François Hollande, membre de l'opposition, enfin leader de l'opposition, leader, bon, je suis pas con, enfin, de l'opposition de l'époque, et Nicolas Sarkozy, à l'époque, ministre de l'Intérieur. Les trois partis qui sont représentatifs de ce qu'est le pouvoir potentiellement, etc., sont tous venus au procès de Charlie Hebdo ou ont envoyé un courrier pour soutenir Charlie Hebdo. Les médias étaient absolument unanimes sur le soutien à Charlie Hebdo. Le tapis rouge leur est déroulé à Cannes. Ils vont à Cannes. Comment il s'appelait ? Philippe Val, directeur de Charlie Hebdo, grand défenseur de la liberté d'expression, après avoir gagné ce procès, est mis par Nicolas Sarkozy à la tête de France Inter, la première radio de France. Donc, voilà. Et de là, il décide de virer Guillon, Porte, des gens comme ça qui ont des discours anti-Sarkozy. Sachant que, j'ai oublié de préciser un truc, quand on voit que les trois gros partis au pouvoir soutenaient Charlie Hebdo et soutenaient cette dynamique de caricature du prophète, on se dit, enfin moi je me dis, à une époque, la liberté d'expression, c'était la liberté d'être subversif par rapport au pouvoir, d'attaquer le pouvoir, de le déranger. Non, maintenant, on dirait que les grands défenseurs de la liberté d'expression sont ceux qui disent des choses que le pouvoir soutient et consensuel absolument avec eux. Donc voilà quelle a été l'attitude de l'État à l'égard de Charlie Hebdo à l'époque. Je vais prendre un autre exemple, qui lui aussi est d'actualité, qui est l'exemple de Dieudonné. Dieudonné tient des propos
que beaucoup jugent terriblement antisémite, insultant, agressif, infamant, qui ridiculise la Shoah, etc. Donc plein de gens sont choqués par les propos de Dieudonné. De la même manière, à mon avis, que plein de gens sont choqués par les propos de Charlie Hebdo. Quelle est l'attitude de l'État sur la question de Dieudonné ? Il est attaqué en procès. Il y a quelqu'un qui menace d'interdire son spectacle à Nantes. C'est l'organisateur du, enfin, la salle. Le tribunal décide d'invalider la proposition de censure, en fait, que le spectacle ne puisse pas avoir lieu. Donc le spectacle peut avoir lieu. L'État, par la personne de Manuel Valls, décide de convoquer en urgence le Conseil d'État, chose qui n'est jamais arrivée dans la Ve République, que ce soit convoqué autant en urgence, entre 5h et 7h, pour invalider la décision du tribunal administratif de Nantes pour que le spectacle à 20h ne puisse pas avoir lieu. Le spectacle à 20h n'a pas lieu, le DVD du film est interdit, etc. Et puis, il y a une certaine unanimité médiatique, politique, etc., pour considérer qu'il est légitime de ne pas permettre à Dieudonné de s'exprimer. Là, je ne suis pas en train de dire que je soutiens Dieudonné ou que je condamne Charlie Hebdo au point que je pense qu'il faille aller les tuer. Certainement pas. Par contre, de constater comment il y a un déséquilibre, alors que pour moi, les propos de Charlie Hebdo sont tout aussi participants de la mécanique raciste que les propos de Dieudonné, je peux comprendre que des gens considèrent que Dieudonné, c'est bien pire. Hein. Mais en tout cas, pour moi, les deux sont choquants. Dans un cas, on a un soutien inconditionnel de tous les échelons de l'État. Dans un cas, on a énormément de gens qui condamnent. Voilà. Et en plus, dans le cas de Dieudonné, il y a un truc particulier. C'est que c'est pas qu'il a été sanctionné seulement a posteriori, comme c'est souvent le cas. C'est qu'il a été aussi interdit de spectacle. Et là, il y a ce qu'on appelle un acte de censure. Parce que quand Zemmour dit « la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait », qu'il est condamné pour ses propos, il va sur tous les plateaux télé où il va tout le temps, tous les jours, et il dit « j'ai été censuré ». Et tu dis « la blague, Éric Zemmour censuré ». Enfin, je veux dire, il est tout le temps partout. La censure, c'est la feuille blanche, c'est le truc que t'as pas le droit de le produire, t'as pas le droit de le sortir. C'est les pauvres qui sont censurés, qu'on n'entend jamais dans les médias. Les femmes, globalement, les ouvriers, c'est les immigrés, c'est les femmes voilées, c'est ces gens-là qui sont censurés, vraiment. C'est pas Éric Zemmour. Dans le cas de Dieudonné, qui typiquement Dieudonné n'est pas censuré, il a des espaces d'expression et même plus qu'il n'en faut, mais cette personne a été, par une loi, interdite en amont et pas sanctionnée en aval. Et ce truc-là est un acte de censure. Et moi, ce que je dis, c'est, j'aimerais qu'on essaye de réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel soutien de Charlie Hebdo et une telle condamnation de Dieudonné, et en tout cas, comment ce deux poids, deux mesures participe de la mécanique raciste. Comment quelqu'un qui se sent agressé par Charlie Hebdo et qui ne se sent pas agressé par Dieudonné peut comprendre, peut percevoir le fait que Charlie Hebdo soit à ce point-là soutenu et Dieudonné à ce point-là condamné, notamment parce que quand il y a eu les manifestations du 11 janvier, beaucoup de gens étaient Charlie. Les médias nous disaient qu'il fallait être Charlie. Sur France 2, il y a même une éditorialiste qui a dit « Les gens qui ne sont pas Charlie doivent être repérés, doivent être traités. » Voilà les propos qui ont été dits. Najat Vallaud-Belkacem a expliqué que dans les écoles, les enfants qui posaient des questions sur ça, ils posaient des questions qui étaient insupportables. Donc on ne peut même plus poser de questions. Et puis jusqu'à des enfants de 8 ans qui sont envoyés au commissariat de police, c'est le cas du jeune Ahmed, qui a été envoyé au commissariat de police pour avoir dit « ils ont bien fait de tuer les gens de Charlie Hebdo ». Il avait 8 ans, il a été mis en garde à vue pour apologie du terrorisme. Donc de se demander qu'est-ce que ça crée dans la société, ce déséquilibre-là. Et d'où il vient. Et malheureusement, le truc, c'est que Dieudonné, il s'en sert, mais comme c'est pas permis, quoi. Dieudonné, il se sert de ce deux poids deux mesures à un point inimaginable. Il nous explique que c'est très simple, d'où ça vient. C'est parce qu'on n'a pas le droit de critiquer les Juifs, puisque c'est eux qui dominent le monde. C'est son argumentaire, mais alors il est servi sur un plateau d'argent par tout le monde, parce qu'on ne fait pas un truc. Et donc, tout ça pour cette longue parenthèse, pour dire, soyons attentifs à qui on donne les armes et qu'est-ce que ça crée, et comment est-ce que ça peut créer des fractures. Comment est-ce que les gens qui n'étaient pas Charlie regardent les gens qui disent « je suis Charlie ». J'ai fait cette conférence dans un collège où ils me racontaient que pendant une semaine, dans la cour de récré, les Arabes étaient d'un côté, les Blancs étaient de l'autre côté. Pendant une semaine. Parce qu'une telle avait publié « Je suis Charlie » et les autres disaient « T'es Charlie, alors ça va être la guerre entre nous ». Donc qu'est-ce que ça crée, ce truc-là? Et du coup, il y a un outil qui me paraît important de se réapproprier. Quand on pense à cette potentielle neutralité de l'État, comment est-ce que l'État pourrait être neutre et soutenir tout le monde de la même manière? Et cet outil, c'est la laïcité.
Alors, je vois bien que la laïcité, c'est lié, hein, ces débats d'islamophobie et tout, enfin, le voile, tout ça. Moi, je veux vraiment le prendre sous un autre angle d'attaque. L'article 1 de la loi de 1905. Alors, la loi de 1905, il n'y a pas le mot laïcité dedans. Ce n'est pas une loi sur la laïcité, mais tout le monde fait référence à cette loi quand il s'agit de laïcité. Donc, c'est une loi de séparation des églises et de l'État. Et l'article 1 dit la chose suivante. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. Mais le cœur de l'article 1 de la loi de 1905, c'est « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. » Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'à l'époque, la laïcité, qu'est-ce que c'était? C'était l'État est neutre en matière de religion, il ne soutient aucune religion, il est séparé des églises, et il permet à tout le monde d'exprimer librement sa conscience religieuse, son culte. Donc à l'époque, c'était l'État est neutre et tout le monde peut s'exprimer. Qu'est-ce que c'est devenu depuis 1994, 1998, 2004, depuis toutes les lois autour du voile? C'est devenu l'individu, la jeune fille qui va à l'école, l'individu doit être neutre dans certains espaces. C'est plus l'État, c'est elle, elle ne représente pas l'État. Et donc on dit maintenant, souvent, la religion c'est du domaine du privé, il faut le faire à la maison, pas dans l'espace public. Donc on est passé de l'État doit être neutre à l'individu doit être neutre. Et il y a eu un autre glissement, c'est le terme de public. À l'époque, public, ça veut dire qui représente l'État. C'est les préfets, le président, peut-être les profs, même si c'était en débat en 1905, est-ce que les profs représentent l'État? Mais bon, disons les profs, enfin, les bâtiments publics, tout ce qui représente l'État. Maintenant, public, ça veut dire où il y a du public, dans la rue, à l'école. Alors, ce n'est pas tous les lieux publics, mais enfin, il y a eu un glissement. Mais le truc, c'est que si on passe de l'État doit être neutre à l'individu doit être neutre, si l'individu dans certains espaces publics, par exemple dans la rue ou à l'école, ne peut plus exprimer sa conscience, si la liberté d'exprimer sa conscience est à la maison, dans le privé, mais alors il n'y a plus de liberté de conscience. Parce que par définition, la liberté de conscience, c'est la liberté d'exprimer cette conscience. Si on a le droit de le penser, mais qu'on n'a pas le droit de le dire, alors je vous mets au défi de me trouver un système politique où il n'y avait pas de liberté de conscience. Même dans les dictatures nazies, même dans les camps de concentration, à ce point-là, on avait le droit de penser ce qu'on veut. On n'avait pas le droit de le dire, mais on avait le droit de le penser. Donc la définition de la liberté de conscience, c'est la possibilité de l'exprimer. Et donc, la laïcité est passée de garantir le fait que tout le monde puisse exprimer sa conscience à restreindre, dans certains espaces, pour certaines personnes, la possibilité d'exprimer cette conscience. Et le problème, c'est que ce n'est pas n'importe quelle personne qui a été restreinte. Ce n'est pas tout le monde. C'est... Enfin, ils ont eu beau dire que c'était la loi contre les signes ostentatoires de religion dans les écoles publiques. Tout le monde l'a appelée loi sur le voile. Dans le texte, il y a marqué « sont interdits la kippa, le voile et les croix de taille démesurée ». Je vous jure que c'est écrit comme ça dans le texte de loi. Bon, tout le monde savait bien c'était quoi l'enjeu. Enfin, d'ailleurs, tout le monde l'a appelé. D'ailleurs, il y a des débats maintenant régulièrement, quand on parle de laïcité, tout le monde sait qu'on va parler de l'islam, c'est de ça qu'on va parler. Marine Le Pen a fait pire, elle a proposé en 2007, au moment où elle était candidate, elle dit « si je suis élue, je ferai un ministère de l'immigration et de la laïcité ». Il n'y a pas eu un journaliste pour lui dire « mais madame, ces deux concepts n'ont absolument rien à voir, comment vous pouvez les mettre ensemble ?» Bon, c'est vrai qu'on a fait jeunesse et sport, alors bon, mais on l'a déjà fait, mais ces deux concepts n'ont absolument rien à voir. Mais si, pour tous les journalistes, le lien entre immigration et laïcité est évident. C'est les immigrés qui foutent la merde dans la laïcité, c'est l'islam, etc. Et donc, il y a des gens qui voient bien que la laïcité, c'est pour leurs pommes, quoi. Que c'est contre eux. Enfin, en tout cas, ils le vivent comme ça. Ils et elles le vivent comme ça. Alors, on a dit que c'était sur le voile. Alors, en fait, c'est pas que sur le voile. On a un exemple récent qui est passé dans les médias, vous l'avez sûrement vu, sur les robes longues. C'est-à-dire qu'on a interdit à des jeunes filles qui portent le voile, qui l'enlèvent en rentrant dans le lycée, on leur a interdit de rester au lycée parce qu'elles portaient une robe qui était trop musulmane au bout de la direction, trop longue, enfin trop musulmane. La nana disant dans les médias, j'ai fait exprès d'aller acheter ma robe chez Zara ou je sais pas qui, là. En quoi c'est musulman, dame? Franchement, je l'ai acheté chez Zara. Donc, l'argumentaire, c'est celui-là. Au lycée polyvalent du Mirail de Toulouse, rive gauche, il y a eu il y a 3 ans le même cas, 5 jeunes filles qui ont été menacées d'exclusion. Finalement, elles ont réussi à négocier. Et donc, quand on les a soutenues, elles nous racontaient exactement ce genre de choses-là. Il y a une vidéo sur Internet.
Vous tapez robe longue, lycée polyvalent, et vous verrez une jeune fille qui témoigne et qui explique qu'à un moment, elle était face à la CPE, elle dit « Écoutez, madame, ça fait des mois qu'on se prend la tête là-dessus, je comprends pas ce que vous me demandez, c'est mon style, c'est pas religieux, c'est mon style, dites-moi comment il faut que je m'habille, dites-le-moi. » Et la CPE qui lui dit bah, « Relève un peu ta jupe, relève-la un peu. » Et tellement humiliée dans cette situation, elle se met à relever sa jupe jusqu'à ce qu'elle arrive au mollet, elle dit « Voilà, là ça va. » Donc voilà le niveau de violence qu'on fait subir à des gens au nom de la laïcité et malheureusement au nom du féminisme. Puisque c'est quand même aussi au nom du féminisme que cette loi a été appliquée, qu'au nom du féminisme que des jeunes filles ne peuvent pas aller à l'école. Je ne nie pas le débat. Je ne suis pas en train de... Enfin, si, moi, je ne vais pas l'aborder là. Mais je ne nie pas que ce débat soit réel sur le voile est-il un signe d'oppression? Est-ce qu'il est un signe d'oppression dans tous les contextes de la même manière? Le débat sur le voile en Iran, le voile en Afghanistan, le voile... Ce que je sais, c'est que ces jeunes filles-là, qui choisissent de le mettre, je ne sais pas si elles ont à subir le fait qu'en Iran, en Afghanistan ou en Algérie, il se passe des choses. Et je ne sais pas si, au nom du fait que ce soit un signe d'oppression, elles ne doivent plus aller à l'école, elles doivent subir ces humiliations permanentes. Enfin, voilà. Moi, c'est ça qui me questionne, sans dire que le débat sur les signes d'oppression est à exclure. Et donc, je crois que cette laïcité, elle est en train de dire ça aux gens. La culture, c'est la nôtre. Athée, bon, catho quand même, enfin bon, voilà. La culture, c'est la nôtre. On ne voile pas les femmes chez nous. C'est ce qu'a dit beaucoup de dirigeants. Le voile n'est pas le bienvenu sur le territoire de la République. Chez nous, on ne voile pas les femmes. Enfin, ce genre de discours. Qui dit donc la laïcité, c'est que tu n'as pas ta place en tant, avec ta culture dans notre société. Or, les cultures, ça existe. Si on nie la possibilité aux gens de... LCR 2004. Oui, Leïla. Leïla... Nous avons appris que tu voulais rejoindre le parti. Bon, voilà, bon, tu n'es pas sans savoir que nous sommes une organisation anti-patriarcale, hein, qui défend l'égalité entre les hommes et les femmes, anti-homophobie, hein, voilà. Et nous voulions savoir qu'est-ce que tu penses de la contraception, qu'est-ce que tu penses du droit à l'avortement, qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité. Oui, oui. Oui, non mais Leïla, mais ne t'énerve pas. Non mais d'accord, mais Leïla, on avait besoin de savoir. Leïla, il faut que tu comprennes que ce qu'on fait là est statutaire. Je veux dire, dans les statuts de l'organisation, il est écrit qu'avant de rejoindre l'organisation, il y a un échange pour savoir si on est d'accord. Eh bien, très bien, on est d'accord, tu vas pouvoir rejoindre l'organisation. Mais Leïla, mais cela dit, il faut que tu comprennes que le voile est un signe d'oppression des femmes. Quoi que t'en dises, que tu le veuilles ou non, mais sinon les hommes en porteraient, Leïla, enfin... C'est un signe d'oppression des femmes. Alors, voilà, tu vas pouvoir rejoindre l'organisation, on te demande simplement de retirer ton voile pendant les réunions. Donc, LCR 2004 à Lille, je parle de la LCR parce que c'est le parti que j'ai connu, Ligue communiste révolutionnaire, mais c'est ce genre de choses, ce genre de débat... qui ont traversé toutes les organisations politiques, syndicales, associatives à ce moment-là. Moi, la première chose qui m'a fait mal dans cette histoire, c'est l'argument qu'il a utilisé sur ses statutaires. C'est vrai, hein. C'est vrai que dans les statuts de toutes les organisations politiques, il est écrit que pour rejoindre, il faut avoir des idées communes, et donc il y a un entretien. Cela dit, ils le font jamais. Ils le font jamais. Ils le font jamais, sauf dans ce cas-là, altérisé. Ça donnerait des choses intéressantes, d'ailleurs, hein. Oui, Marie, nous avons appris que tu voulais rejoindre l'organisation. Alors, tu n'es pas sans savoir que nous sommes une organisation anticapitaliste. Or, il paraît que tu fais tes courses à Carrefour. On m'a même dit que tu as amené tes enfants au McDonald's, que tu as acheté des Nike. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de la guerre en Irak? Oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu n'es pas sans savoir que nous sommes une organisation féministe. Et bon, nous avons appris que chez toi, tu pissais debout. Et nous voulions savoir qu'est-ce que tu penses du fait que c'est ta femme qui nettoie les chiottes. Ils pourraient le faire. On a tous des contradictions, mais ils le font pas. Ils le font que dans son cas, elle. Et puis l'autre truc, c'est que Leïla, c'était une militante hors pair, une militante antiraciste dans les quartiers sur la question palestinienne. Elle était géniale. Elle disait qu'elle était contradictoire. Elle disait, je suis marxiste, et en même temps, je suis musulmane, et pour moi, c'est contradictoire.
Je ne sais pas si c'est contradictoire, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on a tous des contradictions. Ça, j'en suis sûr. Et qu'il n'y a pas de raison que celle-là, elle soit... Il y a quelqu'un, une fois, dans la conférence, qui me dit « Ouais, mais tu ne peux pas dire ça, quand même. L'islam condamne l'homosexualité, l'islam condamne la contraception, donc c'est normal qu'on lui pose la question. Enfin, ça se comprend. L'islam. Homogénéisé. Je veux dire, la nana, elle allait rejoindre la Ligue communiste révolutionnaire. Elle sait un petit peu où est-ce qu'elle fout les pieds, quoi. Enfin, alors peut-être, elle pense pas exactement la même chose du Coran que les islamistes. Enfin, peut-être, je sais pas. Hein. Pourquoi, a priori, enfin... J'ai voulu parler de ça... J'ai voulu parler de ça avec une militante de l'Union juive française pour la paix. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une organisation de juifs antisionistes, c'est-à-dire de juifs qui se battent contre Israël, ou plus particulièrement contre le fait qu'Israël se revendique un État juif. Ils disent pas en notre nom, ça n'est pas notre État, en France donc. Et donc j'ai rencontré cette personne, Claire Mial. Qui malheureusement est décédée. Mais en préparant cette conférence, je l'ai rencontré, et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les notions d'identité, qui me parlait de sa famille juive d'Europe de l'Est, qui est venue en France, qui me racontait comment les identités de genre, la façon dont on pensait les hommes et les femmes en Europe de l'Est dans la communauté juive, était l'inverse de la façon dont on pensait, on construisait les hommes et les femmes en France. Elle disait, là-bas, dans la communauté juive, l'homme valeureux, le modèle d'homme, c'est l'homme studieux qui passe son temps à son bureau, qui est pâle, qui est maigrelé, et qui passe son temps à écrire et à étudier. Et elle dit, quand ces hommes sont arrivés en France, ils étaient l'antithèse du modèle masculin, viril, puissant, valoré. Encore une fois, hein, la norme qu'on est censé être quand on veut être un homme valeureux et tout. Et donc elle disait comment sa famille a dû changer de genre, ou en tout cas adapter. Voilà. Et donc on parlait de ses identités, comment elles se croisent. En plus, chez elle, vous imaginez, elle faisait des monstres en papier mâché, elle était artiste. Et donc il y avait des dragons en papier mâché, des têtes en papier mâché, partout dans l'appartement. Donc c'était une espèce de décor onirique comme ça. Et donc on était là à parler d'identité et tout. Et je lui dis, tu vois, moi je suis emmerdé par ce truc-là. Là. Je lui dis, moi j'aime pas quand on dit notre société est supérieure à la leur. Ça m'emmerde, ça me paraît impérialiste ou colonialiste, en tout cas on se pose en supérieur. Mais j'aime pas non plus ça. On a le droit de pratiquer l'excision ou de ne pas la pratiquer, c'est égal. Je vois bien que non, c'est pas... Et alors je lui dis, moi j'aime bien cette idée-là, le « nous sommes tous ». Ouais, nous sommes tous des juifs allemands, nous sommes tous des enfants d'immigrés, nous sommes tous... Et elle me dit non. Elle me dit non, tu peux pas dire « nous sommes tous des enfants d'immigrés » ou « nous sommes tous des Palestiniens » comme on disait dans les manifs. Elle dit « tu peux pas dire ça, mais pour plusieurs raisons. D'abord parce que... tu n'as pas ses identités, tu n'as pas ses combats, tu n'as pas sa vision du monde et tu ne peux pas parler à sa place. Il faut que tu laisses la place aux enfants d'immigrés de pouvoir énoncer leur propre discours. Donc il ne faut pas que tu les écrases. Elle dit, moi, en tant que juive, elle dit quand j'étais gamine, je n'étais pas juive. Je m'en foutais, c'est-à-dire les gens me disaient que j'étais juive, mais moi je m'en foutais, ça ne me correspondait pas. J'ai fait une psychanalyse, 20 ans de psychanalyse, et après j'étais juive. Bon, mais elle dit, pour moi maintenant c'est vital d'être juive. Or, les gens, ils me disent, mais arrête avec ça, dit dans mon milieu de gauche, hein, arrête, qu'est-ce qu'on s'en fout, je crois même pas en Dieu, enfin, je veux dire, pourquoi t'as besoin de te différencier, t'as besoin de t'identifier comme ça. Elle dit, pour moi, c'est vital d'être juive, laisse-moi être juive. Bon. Donc elle dit, le nous sommes tous, il peut être enfermant, il peut être excluant ou écrasant pour les autres. Puis il y a une autre raison, elle me dit, quand tu dis nous sommes tous des Palestiniens, elle me dit, ben, plutôt toi, tu participes d'une société qui opprime les Palestiniens. Ton État est un allié d'Israël qui opprime les Palestiniens. Donc plutôt que de dire « nous sommes des Palestiniens », dit « nous sommes des Français et nous allons nous battre contre le fait que l'État français opprime les Palestiniens ». Je comprends bien que dans le « nous sommes tous », et d'ailleurs c'est ce que moi je voulais porter, il y avait l'idée solidarité, nous faisons partie d'une même humanité, mais elle dit « fais attention à ça ». Et du coup elle dit « c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça non plus, c'est dans ma société à moi, il y a des merdes, et dans ta société à toi, il y a des merdes. Pas nous sommes tous des Palestiniens, c'est nous sommes tous dans la merde. Voilà.
On est tous dans la merde avec ces identités qu'on a besoin de revendiquer parfois, mais qui nous oppriment, avec ces identités dont on a réussi à, ou ces oppressions sur lesquelles on a réussi à se battre, et d'autres on n'a pas réussi à se battre. Elle dit par exemple, elle dit ta mère, j'ai eu un gros conflit avec ma maman féministe sur la question du voile, elle était contre le voile, et elle dit ta mère, le truc c'est que quand une femme comme ta mère, une militante féministe des années 70, qui s'est battue pour la liberté du corps, sexualité sans entrave, le droit des femmes, et qui voit une autre femme là, qui met un voile sur sa tête, qui pour elle, pour ta mère, ça donne l'impression qu'elle se renferme, qu'elle se... Voilà. Elle dit, c'est insupportable pour ta mère, ça. C'est insupportable. Mais elle dit, si on arrive à remarquer que, en fait, ce qui est insupportable, c'est que, bah ouais, peut-être que cette femme-là, avec son voile, il y a des oppressions qui l'oppriment et dont elle n'a pas réussi à se libérer, et dont peut-être ta mère s'est libérée. Mais ta mère, elle a d'autres oppressions dans une société sexiste comme celle-là, dont elle n'a pas pu, ou collectivement, on n'a pas pu se libérer. On est tous dans la merde. On est tous dans la merde. Ça m'a fait réfléchir, ce truc-là, et... Du coup, en guise de conclusion, je vous fais trois propositions pour comment on peut faire pour enrayer cette mécanique raciste. Ben, la première proposition, c'est de regarder nos merdes, de les regarder vraiment, d'essayer de regarder vraiment c'est quoi les merdes de notre société. Déjà, je veux dire, on dit que les sociétés arabo-musulmanes sont sexistes. Regardons le niveau de violence sexiste qui existe dans nos sociétés. Vous le savez peut-être, il y a tous les 2 ou 3 jours, selon les années, une femme qui meurt tuée par son mari. Une femme tous les 3 jours qui meurt tuée par son mari. Ça compte pas les femmes qui sont tuées par quelqu'un d'autre que leur mari. Ça compte pas les femmes qui sont battues par leur mari sans qu'elles en meurent. Ou les femmes battues par quelqu'un d'autre. Enfin, c'est un niveau de violence pas symbolique. Hein. C'est pas juste des pubs sexistes, qui déjà est très grave. C'est pas juste du harcèlement de rue, qui déjà est très grave. Le nombre de viols, il y a des statistiques qui disent que 90% des viols ne sont pas dénoncés, ne sont pas nommés comme tels. De regarder ce niveau de violence sexiste dans notre société, de le regarder vraiment et du coup de se battre contre, de se battre d'abord et de condamner d'abord nos propres merdes, celles sur lesquelles on est responsable, on peut agir dessus. Mais de regarder aussi les merdes qu'on ne voit pas, celles qu'on n'arrive pas à voir. Je vous donne un exemple. J'ai un ami sénégalais qui est venu en France. On est allé chez la grand-mère d'un ami, on est allé dans une maison de retraite. Et il a vu une maison de retraite. Et il me dit, mais c'est barbare ce que vous faites. Vous mettez tous les vieux dans un lieu comme ça, où ils vivent comme des... Mais c'est barbare. Et moi, je ne l'avais jamais vu, ça. Ce que j'avais vu, c'est... vous savez, on a eu des débats sur, c'est pas génial les maisons de retraite, en plus les conditions de travail ne sont pas super, ça serait mieux qu'elles puissent... voilà, un truc de... Ça serait mieux que... Lui, il me dit, c'est barbare. Pour moi, là, tu me blesses dans ma culture, ça me tue que les vieux... Soient, voilà. Ou le nombre de suicides, de dépressions, de maladies psychiques qu'il y a dans nos sociétés. Enfin, voilà, regardez toute cette violence, de regarder notre racisme structurel, nos politiques d'immigration. Qu'est-ce qu'on fait vivre aux immigrés? C'est dingue. Il y a toute la population, tous les médias qui se sont lamentés, qui ont pleuré aux milliers de migrants qui sont morts dans la Méditerranée. Oh que c'est triste, oh là là, c'est triste, c'est triste. Sauf que s'ils n'étaient pas morts, qu'est-ce qu'on aurait fait? On l'aurait mis dans des prisons, ils y auraient passé des mois, et on les aurait renvoyés dans leur pays, et ils auraient réessayé 6 mois après. C'est ça qu'on aurait fait. Et donc les gens pleurent, mais tu dis, quand est-ce qu'on va se rendre compte qu'on est des barbares, qu'on fait des guerres à l'autre bout du monde? Bref, j'arrête. Donc se battre et condamner d'abord ce qui nous concerne, nos merdes, avant de, en sirotant un verre de vin, dire « Ah, l'excision, c'est mal. » Bien sûr, l'excision, bien sûr, mais battons-nous contre nos merdes. Pardon, je m'emporte. Deuxième truc, c'est nous sommes tous dans la merde, oui, mais nous avons un point d'intersection. On peut faire des choses ensemble. On peut se battre ensemble. La LCR, avec Leïla, on peut se battre ensemble. Mais à condition de construire des liens égalitaires, à condition de ne pas demander à Leïla de montrer patte blanche, c'est le cas de le dire, de montrer patte blanche, est-ce que tu es comme nous? Et si tu es comme nous, alors nous voudrons bien travailler avec toi. Construire des liens égalitaires, c'est accepter, par exemple, de donner la parole aux premiers concernés, de leur donner la parole, de faire en sorte que les premiers concernés, les victimes du racisme, puissent s'exprimer, contrairement à ce qui se passe souvent. Je vous donne un exemple... D'ailleurs, nous sommes d'ici. Mouvement contre les expulsions de Rome qu'il y a eu sous Sarkozy, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a eu un gros mouvement social antiraciste. D'ailleurs, nous sommes d'ici. Réunion de D'ailleurs, nous sommes d'ici.
À cette réunion, il y avait la Ligue des droits de l'homme, syndicats, partis, toutes sortes de trucs. Il n'y avait que des blancs autour de la salle. Que des blancs. Alors, je ne sais pas, peut-être ça ne vous choque pas. Moi, ça me fait bizarre. Imaginez une lutte féministe où il n'y a que des hommes autour de la salle. Vous voyez le truc? Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas se battre contre le sexisme, hein, c'est pas ça que je dis. Enfin, s'il n'y a que des hommes, on va se dire, tiens, il se passe un truc chelou quand même. Bon, voilà. Donc, que des blancs autour de la salle. Bon. Deuxième réunion, viennent deux militantes voilées du collectif Génération Spontanée contre le racisme et l'islamophobie, en disant, on aimerait bien parler d'islamophobie parce que c'est le racisme qui nous concerne. La réunion dit, non, l'islamophobie, ça n'existe pas parce que l'islam n'est pas une race, je cite, et on refuse leurs paroles, on refuse leurs mots d'ordre. Bon, elles viennent quand même à la manifestation. Nous sommes 3 à 500 manifestants antiracistes sur une ville comme Toulouse de 500 000 personnes. Et les 3 à 500 manifestants antiracistes virent de la manifestation les femmes voilées en criant « On n'est pas là pour ça ! On n'est pas là pour ça !» Voilà, donc, je sais pas, moi, ça m'a fait un choc, ce truc-là. En fait, qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est quoi ce truc ? Comment est-ce qu'on peut penser construire des liens égalitaires si on refuse que leurs paroles soient entendues, si on les vire de la manifestation parce qu'on n'est pas d'accord avec elles ? Il peut y avoir un désaccord. Hein. Mais, alors, je dis les 300 ou 500, c'est pas tous les manifestants qui les ont virés, évidemment. Mais t'as eu un groupe suffisamment conséquent pour qu'elles se retrouvent exclues de la manifestation. Sous ces mots d'ordre-là. Donc, moi, je pense construire des liens égalitaires, c'est au contraire accepter qu'on va peut-être pas militer de la même manière, avoir exactement les mêmes mots d'ordre, mais qu'on peut le faire ensemble et on débattra de nos désaccords. Mais faisons-le ensemble. Et le troisième et dernier truc, c'est de regarder nos identités. De regarder nos identités, c'est-à-dire d'abord, par exemple, de regarder qu'on est blanc ou homme, enfin dominant, que parfois on est dominant. Que s'il y a un système social qui construit des discriminations, s'il y a des gens qui sont discriminés, ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont privilégiés dans cette affaire-là. D'en prendre conscience, pas pour se flageller en mode culpabilité catholique, mais pour en prendre conscience et accepter qu'on puisse être vu comme blanc. Souvent, les gens, le simple fait de dire on n'était qu'entre blancs dans la réunion, ils disent « Oh, comment tu peux dire ça? C'est raciste. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ben, en fait, non. On n'était que des gens qui ne sommes pas victimes du racisme et on est perçus comme blancs. On est des blancs, socialement parlant. D'accepter d'être vu comme dominant. D'accepter qu'il puisse y avoir une antipathie légitime, mais qu'on ait des privilèges. Je vous disais au début de la conférence, je suis un mec blanc, hétéro, plutôt de classe moyenne, j'ai fait des études supérieures, je suis prof. Qu'est-ce que je fous là à vous parler des rapports de domination? Franchement, qu'est-ce que je fous là? Alors, moi, je le fais parce que je me sens le devoir de déconstruire ce truc-là. J'ai l'impression que c'est un devoir, mais un jour, je me suis rendu compte que si j'étais une femme, on me traiterait d'hystérique. Si j'étais un noir, on me traiterait de communautariste. Si j'étais une femme voilée, il n'y aurait personne dans la salle. Personne serait venu. Et, je ne sais pas, de prendre conscience de ça, quoi. Et puis de regarder nos identités, c'est aussi regarder nos identités en général. C'est quoi qui nous a construit? Je vous disais au début de la conférence, je suis juif. C'est comme Claire, c'est vrai. Moi, je ne me suis jamais vraiment senti juif. La seule fois où je me suis vraiment senti juif, enfin la première fois en tout cas, c'était je distribuais des tracts pour la cause palestinienne, pour soutenir les Palestiniens. Il y a un mec qui arrive vers moi comme ça, il me dit « Tu soutiens les Palestiniens? T'es antisémite !» Je suis pas antisémite, je suis juif. Bon, c'est nul. Mais c'est la première fois que je l'ai dit. Et en fait, depuis, je me suis dit mais en fait, qu'est-ce que ça a construit en moi, le fait d'être juif? Est-ce que, en fait, faudrait pas que je regarde ça? Et j'ai compris deux choses. La première, c'est que mon grand-père était juif algérien. Moi, mon grand-père était algérien, ma grand-mère était marocaine. Donc je suis petit-fils d'immigrés du Maghreb. Je devrais être arabe. Moi, tous mes potes qui ont deux grands-parents marocains ou algériens, ils sont arabes. Ils sont perçus comme arabes, discriminés comme arabes. Moi, non. Moi, je suis blanc. Pourquoi? Et c'est peut-être une histoire de couleur de peau, c'est peut-être c'est que je m'appelle Pablo, alors on se dit cet exotisme, c'est l'Espagne. Et les Espagnols, ils sont plus non-blancs. À une époque, ils étaient discriminés, maintenant, c'est plus le cas. En tout cas, pas de la même manière. Donc, c'est peut-être ça. Mais il y a une des raisons fortes, c'est que comme mon grand-père était juif algérien, il avait la nationalité française, contrairement aux Algériens musulmans qui, eux, ne l'avaient pas. Et donc, quand il a immigré, c'était pas une immigration qui baisse la tête, qui ramasse les poubelles, tout ça. C'était une immigration d'un Français qui venait en France, qui changeait de culture, mais qui venait en France. Et la deuxième raison que j'ai compris, c'est que je me suis rendu compte que
l'État instrumentalisait les Juifs. L'État, le gouvernement actuel, pour son alliance avec Israël, pour se dédouaner, pour se déculpabiliser de sa propre histoire, plutôt que de regarder et de faire le devoir de mémoire nécessaire et de regarder que Vichy, ce n'était pas l'exception, c'était la norme en France, enfin, plutôt que de traiter vraiment ça, ce qu'il fait, c'est que, il fait quelque chose que quelqu'un a appelé philosémitisme d'État. Ça va être dur à traduire. Philosémitisme. C'est-à-dire que la nouvelle forme de l'antisémitisme au sommet de l'État, c'est pas de cracher sur les Juifs, c'est de considérer que tous les Juifs sont des alliés objectifs d'Israël, que tous les Juifs soutiennent Israël, puisque quand on critique Israël, l'État dit « vous êtes antisémite », il y a eu des condamnations pour des gens qui ont condamné Israël, c'est que l'État considère que le simple fait d'être juif fait qu'on est solidaire d'Israël. Et que... Donc, il fait ça, et ça lui permet d'être allié d'Israël et de soutenir sa politique avec Israël. Et puis, le deuxième truc qu'il fait, c'est que, puisqu'il a eu un deux poids, deux mesures, puisque je pense que tout le monde sent bien qu'il y a un malaise sur la question des Juifs, qu'il est difficile que si on caricaturait les Juifs comme on caricature les musulmans, ça ferait un tollé bien plus grand. Enfin, on voit bien qu'il y a ce deux poids, deux mesures. Les gens qui ne sont pas juifs ou qui sont musulmans ou quoi, voient bien qu'il y a ce deux poids, deux mesures. Et donc, ça construit un antisémitisme en réponse de ce philosémitisme-là. Un antisémitisme de dire les Juifs sont protégés, Dieu donné a raison, Sora a raison, parce que ces gens-là, ils ont raison. Mais c'est l'État qui construit ça, en construisant ce philosémitisme. Et donc, moi, je me suis rendu compte que, en fait, je suis juif, au sens de ma famille est en Israël, je pourrais être israélien si je le souhaitais, il faut que je me positionne en condamnation d'Israël, et il faut que je me positionne contre le philosémitisme d'État, c'est-à-dire contre le fait que les Juifs, que l'État nous utilise, nous les Juifs, pour dire que les quartiers sont antisémites et pour cracher là-dessus. Et du coup, j'ai rejoint l'Union juive française pour la paix pour faire ça. Je vous remercie. Merci, interprétiste Marion Calcine.